Pour lutter contre l'inactivité physique qui constitue l'une des causes de mortalité du cancer chez la femme, la Ligue nationale congolaise pour le contrôle du cancer a appelé les femmes à se joindre à elle pour pratiquer les exercices physiques et sportifs à travers la danse dénommée la Zumba. On est octobre rose, on sensibilise sur les cancer du sein et du corps de l'utérus. Et aujourd'hui, c'est la gym sur place, mêlée un peu à la danse, la Zumba, hein, comme moyen de dépenser un peu d'énergie. C'est un moyen de lutte contre les cancers. Voilà. À cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités d'Octobre Rose, quelques participants sont revenus sur l'apport de cette danse mêlée à la gymnastique pour lutter contre cette pathologie. Le sport est important pour la lutte contre le cancer. En faisant le sport, nous oublions ce que nous avons comme maladie. Et ça nous permet d'avancer par rapport à la maladie que nous avons pour que nous puissions lutter contre cela et pouvoir avancer. Chaque dimanche, déjà à la corniche, 17h30, nous sommes ici avec les coachs, avec des anciens malades de cancer, avec beaucoup d'associations. Et Octobre Rose vient en plus nous aider, nous motiver à plus de sensibilisation pour lutter contre les cancers du sein et le cancer du col de l'utérus, parce que l'inactivité physique, c'est la quatrième cause de mortalité par cancer dans le monde entier. C'est depuis 2014 que la Ligue nationale congolaise pour le contrôle du cancer œuvre de connivence avec d'autres associations dans la pratique de la danse sportive et physique comme moyen de combattre cette maladie dangereuse mais silencieuse qui est le cancer.